Timothée, chapitre 2, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Titre la prière pour tous, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Il dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. C'est Paul qui est en train de donner l'ordre à Timothée. Maintenant dans le Nouveau Testament. Toujours parlant de la prière. Il dit que je veux que les hommes et les femmes. Et les mamans et les papas, selon les femmes et les hommes de prière, qui prient à tout moment et à tout lieu. Pourquoi il a dit, il y a une précision là-bas. Pourquoi il a dit prions en tout lieu? C'est pour faire la différence entre l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la prière était uniquement et exclusivement où c'est. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, la prière était toujours à la montagne. C'est pour ça qu'on nous a dit que Moïse est monté à la montagne pour aller prier. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, partout où tu pries, Dieu t'exauce. Que tu sois à l'église, que tu sois à la maison, au marché, dans les bus, partout où tu pries, Dieu exauce. Amen, amen. Amen. Pourvu. Continue. En élevant des mains pures. Pourvu que les mains que tu élèves soient des mains. Amen, amen. Amen. C'est quel genre de mains nous les élevons quand nous prions? Les mains que nous élevons devant Dieu, elles sont comment? Ce sont des mains salies ou bien ce sont des mains qui sont pures? Toi-même, regarde d'abord ce que tu fais avec tes mains. En grand bébé, on va finir à la micro. Regarde ce que tu fais avec tes mains. Tes mains. Fais quoi avec tes mains? Mikono, tu fais quoi avec tes mains? Amen, amen. Amen. Tu fais quoi avec tes mains? Tu pars toucher partout. C'est la gomme, le moment de la prière. Tes mains sont comment? Frère, peut se relire encore. Quel genre de mains devons lever vers le Seigneur? Merci. Oui. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures. En élevant des mains pures. La mouche à Mikono, elle est à sa fille. Les mains qui sont sanctifiées. Il est à propre. Qui sont purifiées. Il est ce sont là les mains que nous devons lever. Mikono, elle est pas chère pour une loge. Victoire. Moïse a levé les mains pures. Moussa, Reka Mikono. Et comme conséquence, Josué a vaincu Amalek. Josué a vaincu Amalek. Il arrive de fois que tu pries. Ça m'a dit comme on a homme. En levant les mains. On a une loge. Tu n'as pas de victoire. Ah oui, mais. Parce que tu pries avec des mains impures. Des mains qui sont souillées. Yabouchaf. Amen, amen. Amen. Tout bon délire. Ils sont souillés avec quoi? En élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà ce qui suit nos mains. C'est la colère qui nous garde dans notre cœur. La colère que nous gardons dans notre cœur. Les mauvaises pensées que nous avons. Nous avons fait des choses. Nous ouvrons ton cœur. Chakose. Ah, oui. Pourquoi Chakose? Mais il a osé chercher à quoi? Colère, vigilance, vigilance. Les colères, les mauvaises pensées. Amazon Bay détruisent mon cœur. Amen, amen. Mon frère et ma soeur, à partir de désormais, si tu veux lever tes mains, regarde d'abord l'état de ton cœur. Regarde d'abord l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est pourri? Est-ce que ou bien ton cœur est pur? Est-ce que si ton cœur est pur, sache que tes mains aussi seront. Amen, amen. Amen. À ce moment, tu vas le lever.
et tu vas prier, et Dieu va te donner la réponse. Amen, amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous allons prier comme Moïse. Nous allons prier comme Moïse.